Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va faire quoi? Aujourd'hui on va voir un petit peu d'Expresso, on va voir un petit peu les données utilisateurs, on va voir un petit peu la programmation Python. Alors presque rien, hein, juste que quelques lignes de Python dans un nœud Python. C'est vraiment quelque chose d'accessible à n'importe quel débutant. Je me suis arrangé pour faire quelque chose de vraiment très simple. Donc ça sera juste des conditions, le truc tout bête, tout simple. L'expresso qu'on va faire est vraiment très basique aussi, et les données utilisateurs, vous verrez que ça n'a rien de compliqué, surtout qu'on l'a déjà fait dans plusieurs tutoriels. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi utiliser un autre logiciel que Cinema 4D. On va utiliser un logiciel vectoriel qui est gratuit pour faire une texture. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est en fait voir comment on peut gérer l'animation d'une texture, ou plutôt le changement d'une texture pour une animation, de manière très simple, en utilisant une petite astuce, un petit truc qui est tout simple, tout bête, il fallait juste y penser. Beaucoup de gens connaissent déjà, et donc on va voir comment mettre ça en place avec des données utilisateurs. Donc pour expliquer ça plus clairement, petite mise en situation. Imaginons que vous voulez modéliser un Playmobil ou un personnage de Lego, un Lego. Le visage de ce personnage, vous n'allez pas le modéliser, vous allez utiliser une texture. Parce qu'en fait, si vous regardez là sur une figurine originale, c'est peint sur le plastique, le visage est peint, mais il n'est pas gravé dessus. Enfin, je pense pas. Non, il n'est pas gravé, il est juste peint. Enfin, c'était peint à mon époque. Dans Cinema 4D, vous n'allez pas modéliser le visage, vous allez utiliser une texture du visage que vous allez plaquer sur la forme de la tête que vous avez modélisée. Et donc vous allez faire un petit visage souriant de Lego ou de Playmobil, vous allez le mettre sur votre personnage, et puis voilà. Et puis seulement à un moment de votre animation, le personnage doit avoir une expression différente, par exemple. Donc à un moment il sourit, à un moment il est peut-être triste, à un moment il a les yeux ouverts, il regarde à droite, il regarde à gauche, il a peut-être les yeux fermés, etc. Vous voulez pouvoir gérer ça. Vous n'allez pas modéliser toutes les expressions faciales inimaginable, c'est-à-dire le regard vers la droite avec une bouche qui sourit, le regard vers la droite avec une bouche triste, le visage vers la droite avec une bouche ouverte, après le visage vers la gauche, la bouche qui sourit, le regard vers la gauche, la bouche triste, etc. Vous n'allez pas en finir. Le mieux, c'est d'utiliser une texture où vous allez modéliser les yeux. Enfin, faire les yeux en texture, en 2D, faire des bouches, les différentes bouches, et puis ensuite dans Cinema 4D, pouvoir mélanger tout ça, c'est-à-dire prendre les yeux de ce type-là, la bouche de ce type-là, pour pouvoir le faire regarder à droite, à gauche, avec telle ou telle bouche. Donc vraiment faire un truc simple à utiliser avec des données utilisateurs où vous avez juste des radios boutons à cliquer, ou des choses à cocher, des trucs tout bêtes. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ça peut aussi vous servir, par exemple, si vous faites un cube Minecraft, au lieu de faire 50 000 cubes pour faire tous les blocs, un bloc de cobble, un bloc de sand, un bloc de gravier, un bloc de dirt, etc. À la place, vous faites un cube, et puis en fait, vous changez la texture avec les données utilisateurs en fonction de ce que vous avez besoin, par exemple. C'est un exemple, hein. Vous pouvez aussi... On peut imaginer, si vous faites un robot, et le visage du robot, c'est un écran LCD, vous voulez que la texture sur l'écran change en fonction des expressions du robot, bon, et bien là aussi, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour justement changer facilement la texture. Donc, c'est un truc vraiment tout simple qu'on va voir, mais qui demande un petit peu de connaissances sur Cinema 4D pour justement le mettre en place proprement. Pour faire ça bien, on va pas faire la texture dans Cinema 4D. On va faire ça dans un autre logiciel, on va faire une simple texture en 2D. Je pourrais le faire avec Photoshop, mais seulement tout le monde n'a pas Photoshop. C'est un logiciel qui est assez complexe, pas forcément complexe, mais disons quand on l'a jamais utilisé, c'est pas forcément évident de le prendre en main. Je pourrais utiliser GIMP. The GIMP est un très bon logiciel de retouche photo. C'est l'équivalent de Photoshop en gratuit, et c'est accessible sur toutes les plateformes principales, c'est-à-dire Windows, Mac et GNU/Linux. Seulement, GIMP
est un peu chiant à utiliser, faut le dire. C'est-à-dire que il est très bien, il est excellent, mais seulement quand on a utilisé Photoshop, c'est très difficile de revenir sur le GIMP parce qu'on voit tous les défauts de l'interface. On voit qu'il y a des choses qui vont pas. Donc c'est bien, mais on va plutôt utiliser autre chose. Ce que je vais utiliser, c'est le logiciel Inkscape. Le logiciel Inkscape, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible sur Windows, sur Mac et sur GNU Linux, donc toutes les plateformes principales. C'est un logiciel vectoriel, c'est-à-dire c'est comme Illustrator, c'est un logiciel qui travaille avec l'équivalent des spleens, avec ce genre de choses, pour faire des dessins en 2D. C'est un logiciel qui est très complet, qui est très puissant et qui est aussi très simple à utiliser. J'aime bien dire que c'est l'équivalent d'Illustrator. Alors c'est pas tout à fait vrai. Illustrator a des fonctions en plus que Inkscape n'a pas, mais Inkscape a des fonctions qu'Illustrator n'a pas. Donc ça s'équilibre en fait. Dans les deux cas, ce sont des bons softs, sauf que Inkscape est gratuit. Alors pour l'avoir Inkscape, vous allez sur ce site www.inkscape.org/fr. C'est le site officiel. Donc c'est un éditeur de graphisme vectoriel. Donc ça travaille avec l'équivalent des spleens, c'est-à-dire avec des courbes de Bézier, avec des formes géométriques. Si vous savez pas dessiner, avec Inkscape vous pouvez quand même dessiner, tellement c'est simple à utiliser. Pour l'avoir, la dernière version c'est la 0.48.4. Je sais pas si c'est celle que j'ai peut-être pas la dernière version, je suis pas sûr. Pour l'avoir, vous cliquez ici sur téléchargement. Vous avez la version pour Linux, avec ici les packages, etc. Je vous conseille carrément d'aller dans votre gestionnaire de packages et puis vous le trouverez. Hein. Les utilisateurs de GNU Linux le connaissent. De toute façon, si vous utilisez CinemaKD, ça m'étonnerait que vous soyez sous GNU Linux. Enfin bon, voilà. Ici, sous Windows, on clique. Vous avez une version avec un installeur, donc qui s'installe, qui est très facile à utiliser. Version portable, c'est-à-dire si vous voulez pas l'installer, si vous voulez le mettre sur une clé USB par exemple, vous pouvez prendre la version portable. Et ici vous avez la version en format zip, enfin format 7-zip qui est mieux. C'est l'équivalent du zip ou du RAR. Et donc là, pas besoin d'installation, juste à décompresser. Ça c'est pour Windows. Et pour Mac, vous avez ici le DMG que vous pouvez télécharger en cliquant sur cette icône. Et ici vous avez les petites informations pour l'installer. Personnellement, j'utilise pas de Mac, j'ai pas OS X, donc je sais pas trop à quoi correspond tout ça, mais je suppose que les utilisateurs de Mac savent de quoi il en est. Parce qu'en fait, comme c'est un soft qui est à la base pour GNU Linux, il faut passer en fait par le truc X11, etc. Enfin bref, moi je m'y connais pas trop dans les Mac. Donc pour Windows, comme j'ai dit, on clique ici, vous prenez l'installeur, c'est ce qu'il y a de plus simple, comme ça vous l'installez sur votre ordinateur, et puis on n'en parle plus. Ça je vais faire. Parfait. Donc on va utiliser Inkscape pour créer une texture. En fait, ce qu'on va créer, c'est une texture de 800 par 800, quadrillée en carré de 200 par 200, et dans chaque carré de 200 par 200, on va créer une portion de notre visage que l'on veut créer dans CinemaKD. Alors, je ne vais pas créer un Playmobil ou un Lego. On va faire un visage de personnage de South Park. Je ne sais pas si vous connaissez les personnages de South Park. En ce moment, il y a pas mal de let's play de Platoon sur le jeu South Park. C'est quelque chose qui est très simple à dessiner. Donc, ça va être parfait pour les débutants. Je vais simplement faire le visage seulement, donc je vais faire un disque et je vais le mettre ici en orientation moins Z. Voilà, et ça c'est la forme d'une tête dans South Park. C'est un truc que vraiment j'ai dit, c'était très basique, c'est juste un cercle. Et puis là-dessus on va mettre deux yeux et une bouche et puis une couleur de peau et on va alterner ça. On va changer la couleur de la peau, on va changer la forme des yeux, la forme de la bouche, avec des données utilisateurs et un petit expresso. Donc je vais créer une texture de 800 par 800 et sur ce disque, on va y afficher seulement une portion de 200 par 200.
Donc ma texture de 800 par 800, je vais la quadriller en plusieurs carrés de 200 par 200. Donc on va faire ça dans Inkscape. Je vais ouvrir Inkscape et on va voir comment on peut faire. Nous voilà dans Inkscape. Alors le logiciel se présente comme ça. C'est un logiciel qui est, comme j'ai dit, très simple. Si vous êtes intéressé par savoir comment bien l'utiliser, allez voir sur ma chaîne secondaire. J'ai fait deux vidéos tutoriels dessus. Une où je présente un petit peu toutes les fonctions du soft et une autre où je montre seulement comment on peut utiliser les courbes ici de manière très simple, c'est vu que c'est l'outil le plus utilisé. Vous pouvez aussi aller sur le forum Graph2Graph, je mettrai le lien vers le forum dans la description. C'est un forum sur lequel où je suis inscrit sous le pseudo de CamiGeek. Il y a une section Inkscape où il y a mes deux tutoriels et puis vous pouvez me poser des questions s'il y a besoin. Il n'y a aucun problème. C'est un logiciel un forum de graphisme. Donc ce logiciel vectoriel, comme j'ai dit, ça fonctionne un petit peu comme avec des splines. Donc on va s'en servir pour créer notre texture. J'ai dit on allait faire un document de 800 par 800. Donc ici dans Fichier, je vais aller sélectionner ici Propriétés du document. Ça m'ouvre une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, je peux en fait paramétrer mon document sur lequel je travaille. Ici, il y a un petit ombrage qui va m'embêter. Donc ici, je peux décocher afficher une ombre de bordure. Ça retire le petit ombrage. Je pourrais retirer aussi la bordure carrément, mais je vais m'en servir. Donc je vais la laisser. Ici, dimension personnalisée. Je vais mettre 800. Alors, 800 par 800. 800 par 800 pixels. Et là, je ferme cette fenêtre. Et ici, on a un document de 800 par 800. C'est du vectoriel, donc c'est extrêmement précis. Voilà, extrêmement précis. On peut vraiment travailler au pixel près si on veut. Et on peut zoomer à l'infini dessus, il n'y a aucun problème. Donc là, il faut que je fasse un quadrillage. Donc je vais utiliser les calques, parce que c'est très pratique. Donc ici, je vais dans calque. Et ici, je clique sur calque. Ça m'affiche ici la fenêtre des calques. Et dans le coin et par là, j'ai ici une zone que je peux cliquer, déplacer pour agrandir en fait cette zone. Donc là, le premier calque, on va le renommer. Je clique dessus et je vais l'appeler fond. Parce que c'est le fond de mon document. Je vais créer dedans donc un damier composé de petits carrés de 200 par 200. Donc je prends ici l'outil. Pour créer des rectangles et des carrés, je clique dessus, je fais un clic déplacé n'importe où. Voilà. J'écris mon carré, je clique ici sur cette icône. Vous avez peut-être une bordure, vous avez peut-être une couleur différente. En fait, ici, vous avez des couleurs. Quand vous avez sélectionné un élément, vous cliquez sur la couleur que vous voulez pour le mettre dans cette couleur. Donc ici, je veux en gris. Je clique ici. Si vous avez une bordure, vous allez ici sur le petit carré, la petite croix, le carré avec une croix dedans. Vous faites un clic droit et vous faites définir le contour. Ça définit le contour comme ayant aucune couleur. Donc ça a aucun contour. Comme ça, vous n'avez plus le petit contour, vous avez seulement un carré gris. Ce carré, on peut le mettre où on veut. Je le mets à peu près là. Ici, j'ai X, Y, L, H. X, Y, c'est la position. L, H, c'est la largeur et la hauteur. Donc ici, largeur, je veux 200 pixels, donc ça je mets 200, je fais entrée. Hauteur, je veux 200 pixels, donc ça, je sélectionne 200, je fais entrée. C'est bien des pixels hein, ici. Je veux le placer ici en bas. Donc ici, je mets 0, je fais entrée. Et ici, en Y, je mets 0. Et je fais entrée. Ça le place ici en bas, à l'endroit 0,0 de mon document. Je vais le dupliquer plusieurs fois de manière à remplir tout ça. Donc je fais CTRL D pour le dupliquer ou alors je peux faire un clic droit et je fais ici dupliquer. Ça fait pareil, mais CTRL D c'est plus pratique. Une fois que je l'ai fait ici, je vais ici dans X parce que c'est le double qui est sélectionné et ici je vais mettre 200 et je fais entrée. Ça le décale de 200. Je fais CTRL D encore. Ici je vais mettre 400, donc 200 de plus. Je CTRL D et ici je vais mettre 600. Voilà, là j'ai fait une ligne en fait complète. Avec cet outil-là, maintenant je vais faire un rectangle comme ça pour sélectionner tout.
Là, j'ai sélectionné les quatre. Ctrl D pour les copier, encore les dupliquer. Et en Y, ici, je mets 200. Donc 200 plus haut. Ctrl D, je mets 400. Ctrl D et je vais mettre 600. Voilà, et je clique dans le vide. Ça, c'est juste pour m'aider, hein, ce que je suis en train de faire. Toujours avec cet outil de sélection, j'en clique sur 1 sur 2, donc celui-là. J'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé dessus et je vais cliquer celui qui est là. Ensuite celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc j'en ai sélectionné 1 sur 2. Et dans le bas, ici, je vais sélectionner une autre couleur, par exemple un peu plus claire. Voilà, de manière à avoir un quadrillage. Je clique dans le vide. J'ai fait le fond, en fait. Et là, je n'ai plus besoin d'y toucher, donc je vais cliquer sur le petit cadenas pour le fermer. Comme ça, ici, je ne peux pas les déplacer par erreur. Si je clique, ça ne les sélectionne plus. Donc là, j'ai mon damier de fait. Je vais créer mes textures là-dedans. Dans chaque petit carré, je vais pouvoir mettre un élément de la texture. Et ensuite, dans Cinema 4D, on pourra superposer ces divers éléments pour créer une texture complète. Donc, dans la ligne du haut, on va faire les couleurs de peau. Ouais. Donc, non, il faut pas que je ferme tout de suite le cadenas, donc je vais le rouvrir. Parce que je vais pas me compliquer les choses. Je vais sélectionner ça, ça, ça et ça avec la touche majuscule. CTRL-C pour couper. Je reclique dans le vide, je remets le petit cadenas. Donc, je les ai remis en mémoire. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le petit plus ici. Et je vais appeler ça couleur. Je fais ajouter. Ça m'ajoute un calque. Je sélectionne bien le calque, c'est-à-dire que je clique pour qu'il soit bien sélectionné. Ici en bas, on peut voir le calque dans lequel on est, ici c'est couleur. Je fais CTRL V. Ça copie en fait, ça colle ce que j'ai copié. Et je laisse tout sélectionné. Et là, je vais mettre 0 en X. Et en Y, je mets, si je me trompe pas, c'est 600. Voilà, ça me le met ici. Je clique dans le vide et je vais changer ces couleurs-là pour donner différentes couleurs de peau. Alors, le premier ici, on va faire une couleur de peau. Alors, j'ai raccourci les couleurs en bas ici. Je prends cette couleur-là. Celui d'à côté, on va faire un petit peu plus foncé. Celui qui est ici, encore plus foncé. Alors, on va aller plus par là. Voilà, et cette couleur là, on va faire un petit truc un petit peu différent. Je vais faire un CTRL D, je vais d'abord choisir une couleur, prendre cette couleur là, ensuite je fais un CTRL D pour en faire un double. Le double, je le réduis de moitié, et ce double là, je vais mettre du bleu dedans. Ça fera un peu Braveheart. Du bleu, comme ça. Comme ça c'est bien, voilà, comme ça on a une couleur un petit peu originale. Je vais revenir ici, sur le début, parfait. Donc ça c'est les couleurs de peau. Les lignes du dessous, je fais un petit zoom dessus en faisant un contrôle, puis déplacement de la molette. Voilà, les lignes du dessous, ici je vais faire les yeux, on va faire les yeux. Donc je crée un nouveau calque, que je vais appeler « yeux ». Oh, yeux, voilà. Je peux fermer le petit cadenas ici des couleurs si je veux pas les modifier par erreur. Donc je suis dans le calque yeux. Je vais faire les yeux. Donc là, je vais cliquer sur le petit carré blanc pour sélectionner la couleur blanche. Je prends ici l'outil des cercles. Je fais un clic déplacé, c'est pour créer le premier cercle. On va le faire à peu près comme ça. Voilà. Je prends l'outil ici de déplacement, je vais le mettre à peu près où je veux, ici. Ici, quand on a un élément de sélectionné, vous voyez ici, c'est les petites flèches qui permettent d'agrandir ou de modifier la taille. Si je reclique une deuxième fois dessus, ça devient des petites flèches qui permettent de faire tourner l'élément. Donc ici, je vais le faire tourner légèrement comme ça. Parfait. Et ensuite, ici, je peux cliquer dessus pour repasser dans ce mode-là. Je fais un CTRL D pour en faire un double. Et ici, en haut, avec cet outil-là de sélectionner, ici, j'ai les outils miroirs qui permettent d'inverser la position. Donc ici, je vais utiliser celui-là pour retourner horizontalement l'objet sélectionné. Voilà. Et ensuite, avec les flèches du clavier, par exemple, je peux le déplacer sur le côté. Le mettre à peu près comme ça. Je clique dans le vide. Je vais sélectionner ces deux éléments avec la touche majuscule. Je les place à peu près au milieu. Je ne sais pas si je les ai bien mis au milieu.
je pense. Je vais, je peux les grouper si je veux. Je peux faire un clic droit et puis faire, non, c'est pas avec le clic droit ici, c'est dans Objet et faire grouper. Comme ça fait qu'un seul élément. Si j'en sélectionne un, ça sélectionne les deux. On n'est pas obligé, mais enfin, c'est une petite chose en plus. Contrôle D, et je vais déplacer avec les flèches le double. Ici. Contrôle D, je déplace le double ici. Et puis pour le troisième, ici je vais faire des yeux fermés. Donc je vais prendre cet outil et je vais simplement faire un truc comme ça. Un clic, un clic, un clic et je fais entrée pour valider. Ensuite ici, un clic et un clic. Et je fais entrée pour valider. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours sélectionner un élément, prendre cet outil. Là, éditer les nœuds, et vous pouvez déplacer en fait les points comme vous voulez. Comme je l'ai dit, ce sont des courbes de Bézier, c'est comme des splines, vous pouvez toujours venir les retoucher. Donc là, j'ai fait ça, on les place bien où on veut. Comme ça, voilà, les yeux fermés. C'est pas tout à fait régulier, mais c'est un petit peu comme dans le dessin animé, donc c'est très bien. Donc ça, c'est les yeux. Maintenant, je vais ajouter les petits points noirs ici pour faire les pupilles. Donc je sélectionne ici la couleur noire en cliquant sur le petit carré noir. Je prends l'outil pour créer des cercles. Je fais un petit clic déplacé pour faire un petit cercle. Alors avec la touche CTRL et la touche majuscule, vous pouvez gérer ça un petit peu mieux. Comme ça. On va essayer de zoomer un petit peu dessus quand même. Voyons ce que j'ai fait. Oui, c'est bien. Je vais le positionner ici. CTRL D. On va le déplacer à côté. Voilà. Ça a l'air bien. Je le sélectionne. Celui-là, CTRL D. Je vais aller en mettre un ici. CTRL D. On met l'autre ici. On se déplace là, CTRL D, on va mettre l'autre, celui-là, ici, CTRL D, ici. Voilà, un petit zoom arrière. Donc là, les yeux regardent devant, là ils regardent sur le côté, là ils regardent sur l'autre côté, là ils sont fermés. Je clique ici pour fermer le petit verrou. On a fait ça, maintenant ici on va faire la bouche. Alors les différentes bouches qu'on peut faire. Petit zoom dessus. Comme ça. Alors il faut que je les place au bon endroit, c'est-à-dire à peu près dans le bas. On va faire une bouche qui sourit, une bouche qui est plutôt triste, une bouche qui est ouverte, et puis on verra après. Donc je vais prendre cet outil, tracer des courbes de Bézier. Je fais juste un clic ici. Alors, je recommence parce que j'ai oublié un truc. Je sélectionne ici la couleur noire pour tracer en noir parce que là j'avais du blanc. Je vais ajouter un nouveau calque que je vais appeler bouche. Voilà, pour travailler sur un nouveau calque. Donc il est bien sélectionné. Je prends cet outil et je fais donc un clic ici. Je me déplace légèrement et je fais un clic. Et je fais entrée pour valider. Ça fait une bouche toute droite. Je prends ici l'outil éditer les nœuds. Je mets à peu près sur la ligne. Je clique et je déplace vers le bas. Ça permet d'arrondir la forme et donc d'avoir une bouche qui sourit. Je vais faire pareil à côté. Alors je peux carrément, si je veux, reprendre cette bouche-là, faire un CTRL D, la déplacer ici, au bon endroit. Je reprends l'outil éditer les nœuds et je vais simplement reprendre ici la courbe et la mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter. Je refais la même chose. Ensuite, toujours avec la couleur noire, je vais prendre un cercle, je vais faire une petite bouche ouverte, un truc comme ça. Voilà. Et puis ici, on va faire un truc triangulaire. Très sous-spark. Comme ça. Et je clique sur le premier point que j'ai fait. Ça fait ça. Et je clique sur du noir pour remplir avec du noir. On pourrait rajouter des dents blanches ici. Je ne vais pas le faire, mais normalement, ça serait mieux de le faire. Bon, après, c'est parfait. Ici, je pourrais rajouter d'autres choses. Par exemple, je pourrais rajouter des lunettes. Je pourrais rajouter... des moustaches, une barbe, etc. Là, on va rester sur quelque chose de simple. Donc, j'ai juste fait ça. Je cache le fond en damier, ici en cliquant sur le petit œil pour le fermer. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Et je vais exporter ça au format bitmap. C'est-à-dire qu'ici, c'est du vectoriel. Alors, sauvegarder au format vectoriel, ça sauvegarde au format SVG,
dans Inkscape, qui est un excellent format que même les navigateurs web peuvent ouvrir. Donc c'est vraiment le top du top pour le vectoriel. Mais ici, on a besoin d'un format bitmap parce que Cinema 4D ne sait pas lire le SVG. C'est un problème, mais c'est comme ça. Donc ici, je vais faire Fichier, Exporter en bitmap. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, je clique sur. Alors, je mets bien ici page parce que c'est la page qu'on veut exporter. C'est pas une sélection, c'est pas une portion de la page, c'est toute la page. Ici, je mets 800 par 800. C'est ce que j'ai fait un document de 800 par 800. Ici, parcourir et je vais indiquer où je l'enregistre. Alors, je vais aller chercher dans le bon dossier. Je vais le mettre dans le dossier que j'avais prévu pour. Voilà, et je fais ici. Je peux mettre un nom de fichier. Je vais laisser bitmap, ça va être très très bien. Ici, on peut choisir le format qu'on veut, le PNG. Je fais enregistrer et je fais exporter. Et voilà, et donc ça, je peux fermer et je peux aussi fermer Inkscape. Et donc, si j'ouvre ici mes fichiers, ici j'ai une image bitmap. Si je l'ouvre, voilà ce que j'ai dedans. Donc ici on a les couleurs, les yeux et les bouches. Et puis après il n'y a rien parce qu'on n'a rien mis d'autre. Et donc ça on va l'utiliser dans Cinema 4D. Donc comme ça. Je reviens dans Cinema 4D et puis maintenant on va créer la texture. Pour créer notre texture, ici on va dans le gestionnaire de texture, on fait un double clic pour créer un nouveau matériau. Je l'ouvre en faisant un double clic dessus, on retire la spécularité, je vais dans la couleur et ici je vais charger simplement mon image bitmap qu'on vient de créer dans Inkscape. Donc celui-là, je le fais glisser ici. Si ça marche pas quand vous le faites glisser, cliquez sur les trois petits points ici, puis vous allez chercher votre fichier où il est. Parce que des fois le drag and drop ne fonctionne pas sur certains systèmes parce que vous avez votre configuration qui est faite de manière à ce que ça fonctionne mal. Enfin que ça fonctionne pas. Ensuite ici, échantillonnage, je vais mettre 100. Afin d'éviter d'avoir que Cinema 4D rajoute du flou là où il n'y a pas besoin en fait. Ensuite ici je vais cocher l'alpha parce que là il y a un fond blanc et je veux pas le fond blanc. Et dans la texture ici, je remets la même image, soit je clique sur la petite flèche ici et je vais dans Image Bitmap et je sélectionne l'image que j'ai utilisée dans la couleur. Voilà. Et ici pareil, échantillonnage, je mets 100. Ici, on peut retirer la transition douce et mettre inversé, mais non, laisser comme ça, je pense, c'est très très bien. On va essayer comme ça d'abord. On peut à la limite. Non, on va laisser comme ça. Donc là, je touche à rien. Je ferme ça et je vais mettre ma texture sur le disque. Alors le disque, je vais renommer tête. Voilà. J'ai oublié l'accent circonflexe. Essayons de faire ça bien. Donc ma texture, je la mets dessus. Voilà. Ici, on peut voir que ça ne va pas. Parce qu'en fait, on a toute la texture qui s'affiche sur le disque. Donc, ça colle pas du tout. Je sélectionne ma texture, le tag de texture ici. Dans les propriétés, je vais le placer ici en type de projection planaire, à la place de UVW par défaut. Planaire. Ce qui me permet de jouer avec les coordonnées de la texture. Donc ici, je vais dans l'onglet coordonnées et je peux jouer avec ça. Notre image fait 800 par 800. C'est-à-dire que du point central, je passe en mode texture pour bien montrer ça. Je sélectionne la tête, sélectionne ça, et ici je passe en mode texture. On peut voir ici la taille de la texture. Voilà, là elle prend toute la dimension. Notre image fait 800 par 800, c'est-à-dire que du centre de la texture au bord ici, il y a 400, et du centre ici au bord ici, il y a 400. Donc ici, échelle X et échelle Y, je mets 400. 400. Voilà ce qu'on obtient maintenant. Ici, toute cette zone-là, quadrillée, c'est la taille de la texture. Et on n'a que cette petite partie-là qui est affichée. En fait, ici, il n'y a rien parce que ça pile tombe à un endroit où il n'y a rien. Donc ici, je peux jouer avec les positions X pour déplacer ça et la position Y pour déplacer ça comme ça.
Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici 300. Je vais expliquer pourquoi après. Et ici, moins 300. Et ça place, en fait, vous voyez, la texture. La texture pile à cet endroit-là, c'est-à-dire que ça décale la texture dans ce sens-là et dans ce sens-là. Pourquoi 300 et moins 300? Parce qu'en fait, je vais rouvrir mon image de texture pour bien montrer. Voilà, ici, Cinema 4D considère que le centre de la texture, c'est 0, 0. Donc si il monte de 100, il va arriver au milieu du quadrillage qui est ici. S'il remonte de 100, il va arriver au milieu de ce quadrillage-là. Et en Y, pareil. Non, en X, pareil. Ici, c'est le centre. Si je vais dans moins 100, c'est par là. Encore moins 100, ça va être ici. Donc, en fait, moins 3, 300 moins 300, c'est pile le centre de ce carré-là. Donc, pile le centre de ce carré-là. Cette zone-là, ici, le point qui est ici. Oh, là, ça va bien. Fonctionne comme, voilà. Le centre qui est ici, là, c'est en fait moins 300, 300 par moins 300. Donc, à chaque fois, je me déplace de point sans, du centre d'un carré à un centre d'un carré. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin, vous allez voir que c'est pas très compliqué en fait quand on regarde ça comme ça. Ici, 300 par 300, moins 300 par moins 300, c'est là. Si ici, à la place de moins 300, je mets moins 100, hop, je décale d'un cran vers le bas, donc un cube, un rectangle vers le bas. Si je fais encore ici 200 de moins, donc ça on arrive à 100. Hop, je m'en décale d'encore un cran. Et ici, en fait, on arrive sur la bouche qui sourit. Alors, elle se voit peut-être pas parce que si on la voit un petit peu ici, la bouche qui sourit. Et puis en bas, à 300, en fait, on n'a rien de mis, donc il n'y a rien. Donc, je peux remonter ici à moins 300. Comme ça, j'arrive pile ici sur la couleur. Ici, je peux me déplacer donc sur l'axe X en retirant 200, donc ici en mettant 100 cm. Donc, je me décale d'un cran par là, donc je change la couleur. Si je me redécale encore de 200, c'est-à-dire à moins 100, j'arrive à cette couleur-là. Et encore 200 de différence, c'est-à-dire moins 300. J'arrive sur la partie Braveheart, voilà, la couleur de peau bicouleur. Donc ici, je vais remettre 300. Et avec Expresso et les données utilisateurs, on va gérer justement la position de ces éléments-là. Donc ici, je fais un seul tag de texture, mais il faut que je puisse en superposer plusieurs. Donc je vais simplement en ajouter plusieurs. Je clique sur ce tag, je fais un contre-clic déplacé pour en créer un double, et encore un double par exemple, parce que j'ai la couleur, les yeux et la bouche. Voilà, donc je reviens ici. Maintenant, je vais créer mes données utilisateurs sur le visage, sur la tête. Donc je sélectionne l'élément tête, je repasse en mode objet normal, je le sélectionne, je vais ici dans données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. J'ai cette fenêtre. On va créer nos données utilisateurs afin de gérer les choses un peu plus facilement. Donc, on va commencer par ajouter un groupe, ajouter groupe. Je le fais sortir de la hiérarchie. On va le renommer. J'aime bien nommer mes données utilisateurs sous le nom de réglage. Mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Réglage est sélectionné. Je clique sur ajouter groupe, encore une fois, par exemple, pour faire une catégorie. Cette catégorie-là, on va l'appeler couleur. Ça va être la couleur de la peau. Voilà. Je clique sur Ajouter cette fois. Ça me crée une donnée utilisateur. Cette donnée utilisateur, ça va être un champ d'entrée entier. Voilà. Et dans Interface, ici, je vais choisir un radio-bouton. Je pourrais choisir autre chose, mais radio-bouton, ça fonctionne très bien. J'ai quatre couleurs de peau. Donc ici, il faut que je rentre, comme on a déjà vu dans un autre tutoriel, une entrée, une valeur. De 0 à x valeur, et ensuite la description
du radio bouton. Donc alors, le premier c'est 0, il faut mettre un point virgule, alors ça va être couleur 1, je suis entré, 1, point virgule, couleur 2, je ne vais pas chercher loin, 2, point virgule, couleur 3, et le 3, point virgule, ça va être Braveheart. Je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûr. Oui, ça doit être comme ça. Donc voilà, là j'ai mon premier radio bouton. Si je fais OK et je regarde ici dans réglage, j'ai donc réglage, couleur qu'on peut ouvrir ou fermer, et couleur 1, 2, 3 et puis le quatrième. Je retourne dans mes données utilisateurs. Maintenant on a les yeux. Donc je reviens dans réglage, je fais ajouter un nouveau groupe. On va faire maintenant les yeux. Voilà, je fais ajouter cette fois le bouton tout simple pour créer une donnée utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de regard? On a devant, à gauche, à droite et fermé. On va faire ça donc. Voilà, donc données. Toujours ici, champ d'entrée entier. Ici, radio bouton. Alors, 0, point virgule, tout droit, donc droit. Ça va être droit, droite, on va confondre. Je vais mettre devant. Regarde devant. 1, point virgule, à gauche. Donc gauche. 2, point virgule, droite. Et le troisième, ça va être fermé. Voilà, je peux faire OK. Ici, on a donc une catégorie de plus pour les yeux. Je vais ajouter encore une donnée utilisateur, donc gérer les données utilisateurs, toujours. Je reclique sur réglage, ajouter un groupe. Je vais l'appeler bouche. Je clique sur ajouter pour ajouter une donnée utilisateur. Je le sélectionne. Toujours champ d'entrée entier. Ici, toujours un radio bouton. On aurait pu mettre autre chose, mais c'est toujours bien. 0, point virgule. Alors, sourire. Souris. Voilà, souris. 1, point virgule. Triste. 2, point virgule. C'est la bouche ouverte, donc on va dire ouverte. Et 3, point virgule, c'est la bouche en triangle. Alors, je vais mettre triangle, parce que j'ai aucune idée de comment l'appeler. Voilà, et donc là, je fais OK. Donc ici, voilà mes données utilisateurs. J'ai ici couleur, j'ai ici les différentes bouches, et les différents yeux et les différentes bouches. Données, à chaque fois, j'aurais pu renommer différemment. Là, celui-là. Sélectionne celui-là, c'est la couleur. Celui-là, c'est les yeux. Voilà, les yeux. Et celui-là, c'est la bouche. Bouche, parfait. Je fais OK. Donc voilà, 1, 2, 3. C'est moins aligné, mais c'est pas grave. Je pourrais faire ça beaucoup mieux, forcément, mais bon, si, c'est très bien. Maintenant, je vais ajouter sur mon élément ici un expresso. Donc, clic droit, propriété cinéma 4D, je vais chercher le tag expresso. Ça m'ouvre cette fenêtre expresso. On va le mettre comme ça, je vais dans le X-Pool. C'est parfait. Et deux, ça, un petit peu plus petit quand même, comme ça. C'est pas mal. Je vais faire glisser d'abord mon élément ici tête pour accéder en fait aux données utilisateurs avec le petit carré rouge. Je vais chercher réglage. Alors on a la couleur d'abord. Ensuite, toujours dans réglage, on va aller chercher les yeux. Et toujours dans réglage, on va aller chercher la bouche. Voilà. Donc là, j'ai mes données qui sont rentrées. Je vais en fait gérer ces tags là. Donc ici, je vais les ajouter. Le premier, c'est la couleur. Le deuxième, ça va être pour les yeux. Et le troisième, c'est pour la bouche. Donc je les mets dans cet ordre là. Ici, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier dans ces tags? Quand je clique dessus, ici on peut voir c'est les coordonnées position X et position Y.
Donc ici, j'ai besoin de changer les positions X et les positions Y de ces éléments. Donc je clique sur le petit carré bleu, coordonnées, position X, là, coordonnées, position Y. Et je vais faire ça pour les trois. Position X, position Y. La position X et position Y. Parfait. Ça bien. À peu près comme ça. C'est parfait. Maintenant, il faut quelque chose qui me permette de récupérer ces données-là et de les placer là-dedans en fonction de ce que j'ai choisi dans mes données utilisateurs. Et donc, on va prendre ici, dans Expresso Script, le nœud Python. Alors, si vous avez une version 11.5 de Cinema 4D, vous n'avez pas le nœud Python. Dans ce cas-là, je vous conseille de le faire en Ko-fi. C'est pas très compliqué. Si j'y pense, je mettrai l'équivalent du code Python en Ko-fi sur le blog, afin que si vous n'avez pas le nœud Python, vous puissiez quand même le faire en Ko-fi. C'est vraiment pas compliqué vu que c'est juste des conditions. Donc ici, j'ai pas besoin des nœuds par défaut. Donc je vais simplement les supprimer. Voilà. Et je vais en recréer. Donc le petit carré bleu ici, je vais choisir un entier parce qu'on travaille avec des entiers ici. Je vais le renommer celui-là, je vais le renommer couleur. Voilà. Alors attention à ce comment vous l'écrivez ici parce que dans le code il faudra écrire de la même façon. C'est-à-dire, si vous mettez une majuscule, il faudra aussi mettre une majuscule. Si vous ne mettez pas de majuscule, il faudra pas mettre de majuscule. Je vais mettre une majuscule d'ailleurs. Couleur. Voilà. Ici, petit carré rouge, je vais ajouter aussi un entier. Voilà. Et je vais le laisser en output 1. Et j'en ai besoin d'un deuxième, donc un deuxième entier. Donc ici, je rentre une valeur. Et je vais en sortir 2. Donc je sélectionne mon Python. Ici, j'ai dans ses propriétés, j'ai le code qui est mis par défaut. Je le sélectionne. Ça, c'est pas pratique. Il faut que je clique sur ouvrir l'éditeur Python. Ça m'ouvre cette petite fenêtre. Et ici, je vais taper mon code source. Alors, j'ai déjà expliqué ça dans un tutoriel bonus. Je vais réexpliquer ça. Ici, import ckd, ça indique que, parce que ça c'est du langage Python pur, donc c'est pas seulement pour Cinema 4D, ça fonctionne aussi pour d'autres choses que Cinema 4D. Mais Python peut travailler avec Cinema 4D, et pour ça il faut lui indiquer que l'on importe les fonctions de Cinema 4D, donc on fait import ckd. Ça, le truc en vert, c'est un commentaire, je peux le retirer, j'en ai pas besoin. Vous pouvez le laisser, c'est pas gênant. Defmain, c'est en fait on définit la fonction principale. Ça vous y touchez pas. Defmain, les petites parenthèses et deux points pour indiquer qu'on ouvre la fonction principale. L'indentation est très importante, c'est-à-dire que les tabulations, c'est du code aussi. C'est pas juste des espaces blancs pour faire joli, c'est aussi du code. Donc il faut faire très attention à la façon dont on indente le code, la façon dont les lignes sont décalées les unes par rapport aux autres. Donc global, c'est en fait on définit ici les variables qu'on peut utiliser en dehors du nœud Python. Donc ici input output 1, je fais virgule et je vais rajouter output 2. Output 2. De la même façon qu'il est écrit ici. C'est important, faut que ce soit bien les mêmes écrit de la même façon. Donc ça veut dire que ici output 1 et output 2, ce sont des données qu'on peut utiliser en dehors du script Python. Donc on peut utiliser dans les coordonnées des textures. Ici, j'efface ça, je fais une indentation pour mettre sous le global, et je vais simplement créer une condition. Je crée if, un espace, je tape ici le nom de cette entrée-là, donc couleur avec un C majuscule. Voilà, je mets égal, et je vais mettre 0, et je fais 2 points. Ça veut dire que si l'élément couleur ici, ce qu'on rentre là-dedans, est strictement égal à 0,
Donc, si dans les données utilisateurs c'est le premier, c'est celui qu'on a mis 0, 2, point, virgule, quelque chose, à l'heure quoi, on fait entrer. Ici, il y a bien une indentation qui s'est faite. À l'heure output 1 est égal à 300. On fait entrer. Output 2 est égal à moins 300. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'élément couleur ici c'est bien 0, c'est strictement égal à 0, alors la sortie 1 ici et la sortie 2 ici vaudront respectivement 300 et moins 300. Si je regarde ici ce que j'ai mis dans les coordonnées du tag, c'est 300 et moins 300. Donc c'est effectivement la première, le premier carré, celui qui est ici. Donc ça, je peux relier comme ça. Je peux relier ça à la position X et ça à la position Y. Et je vérifie si tout est bon. Alors, que je me fasse pas d'erreur. Aucune erreur. Parce que là, il me le met en jaune et ça, ça me plaît pas. Texture. Position. Couleur. Voilà. Parce que là, j'étais resté sur 3. Donc ici, vu que dans couleur, c'est bien le premier qui est sélectionné, ici, ça met bien 300 et moins 300. Si je regarde ici, c'est bien 300 et moins 300. Maintenant, on va faire pour la suite. C'est-à-dire qu'ici, je reviens dans mon tag Python. Je fais entrer ici. Je reviens d'un cran en arrière avec majuscule tab pour revenir sous le if. Et je vais faire une deuxième condition. If, donc si, couleur est strictement égal à 1, point, 2 points. Donc dans ce cas-là, output, que je me trompe pas, output 1 est égal. Donc dans ce cas-là, il faut que je retire 200, donc à 100 est égal à 100. Et output 2 est égal, alors lui il n'a pas bougé, normalement c'est moins 300 toujours. Je fais compiler, aucune erreur. Je vérifie si ça marche. On va pousser ça, donc ici j'ai cette couleur là. Si je clique ici sur couleur 2, hein, 100, c'est la même couleur que j'ai mis? Non. Que je me trompe pas. Là. Ah ah. 300, moins 300. Je vérifie que je me trompe pas. Si je mets, si je mets 100 ici. Ah. Si je mets 100, si je mets moins 100. Si je mets moins 300. Pourquoi ça... Ah bah oui, forcément. Il y a les autres qui sont par-dessus. Donc oui, non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est juste que je m'en mêle un peu les pinceaux, vu que j'ai les trois d'un coup. Donc c'est bon, mais c'est parce que j'ai les autres couleurs là qui vont par-dessus, donc ça cache celui qui est en dessous. Donc ici, j'ai bien mis... je reviens ici dans mon éditeur Python. Donc là, c'est bon, hein, c'est pas de problème. Donc si couleur 1, c'est moins, c'est 100, moins 300. Je suis entré, je reviens en arrière. If... parce qu'on va continuer les conditions. Couleur, il y en a 4. Hein. Couleur est strictement égale à 2, 2 points. Output 1 est égal, alors cette fois, on retire encore 200, donc ça fait moins 100. Et le deuxième, output 2, est égal à toujours moins 300. Lui, ça bouge pas. On reste toujours sur la même ligne. Et le quatrième, if couleur est strictement égal à 3, 2 points, output 1 est égal à moins 300,
et output 2 est toujours égal à moins 300, parce que lui ça ne bouge toujours pas. Donc voilà, là on a fait en fait toute la partie pour la couleur. Ce nœud Python, je vais simplement le dupliquer, donc je fais un CTRL-CLIC déplacé. Je vais changer ici couleur, je vais le renommer en yeux. Je clique sur le Python. Ici, ça normalement, ça a tout renommé tout seul. Donc ici, c'est bien marqué yeux, yeux, yeux et yeux. Et là, j'ai juste à changer en fait les quelques valeurs. C'est-à-dire qu'ici, le output 1, ça ne change pas. Mais le output 2, c'est plus moins 300, c'est moins 100. Voilà. Ça, je peux fermer. Je relis ici output 1 à position X, output 2 à position Y, et yeux ici à yeux. Je fais encore un double de celui-là, avec un CTRL-CLIC déplacé. Je vais rechanger ça, je vais l'appeler bouche, donc renommer l'upper. Bouche, je fais OK. Je relis bouche ici, output 1 à position X, output 2 à position Y. Je clique sur le Python, je retourne l'éditeur Python, et ici je rechange, ici je remets moins 200, donc ici ça fait plus 100, ça fait pas moins 100, mais ça fait juste 100, donc je retire le petit moins. Voilà. Donc là, le truc est fait, je ferme ça, et là qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre personnage qui est fait, c'est-à-dire qu'on a notre tête de fait. Je peux cliquer ici sur les... Je retire la grille, voilà. Je peux cliquer ici sur la tête, dans les réglages, les données utilisateurs, je peux choisir ici la couleur de peau. Voilà. Je peux choisir ici où est-ce que les yeux regardent. Les yeux fermés. Et la forme de la bouche. Voilà. Par exemple, si je fais ça, comme ça, on peut le faire sourire. Les yeux fermés. Cette couleur-là. Ou alors... cette couleur-là, il regarde de ce côté-là, il a la bouche ouverte. Donc là, en fait, en faisant ça, j'utilise ici une seule texture, qui est une texture composée d'un quadrillage avec plusieurs choses. Et avec les données utilisateurs, je peux faire toutes les combinaisons possibles entre ces différentes valeurs, ces différents éléments. C'est-à-dire que je choisis les yeux que je veux, la bouche que je veux, la couleur de peau que je veux. Je pourrais en rajouter d'autres. Ici, on en a mis que, on a mis que 3 paramètres, mais on pourrait très bien rajouter ensuite, fermer ça, ici rajouter, par exemple, des décorations, des cicatrices, des, comme j'ai dit, les moustaches, la barbe, les cheveux, etc. Et ici, rajouter simplement des tags, et puis les ajouter dans Expresso. Il faut savoir que les tags, plus ils sont mis tôt, c'est-à-dire que il s'empile en fait. Celui qui est ici, c'est celui qui est en premier. Celui qui est ici vient par-dessus, celui qui est ici vient par-dessus les deux autres. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais toujours la même couleur de peau, c'est parce que je changeais les valeurs de ce tag-là, mais ces deux tags-là restaient en fait toujours identiques. Donc ici, on peut maintenant animer ça, parce que ici, vous voyez des petits points d'animation. On peut tout à fait dire qu'à la frame 0, il va être comme ça. Donc on peut tout à fait faire clic comme ça, CTRL-CLIC à chaque fois. On se met à la frame 15. À la frame 15, on va dire qu'il va regarder dans l'autre sens. Comme ça. Et puis qu'il a la bouche qui s'ouvre. Voilà. Et puis à la frame 20, il devient triste, par exemple. Et puis il regarde devant. Et là, si je fais lecture, en fait, on voit les changements. Tac, tac. Et donc, en faisant un tout petit expresso comme ça, tout bête, vous voyez, c'est juste des nœuds qui se relient les uns aux autres, et puis un code Python qui est vraiment très simple à comprendre, en fait, très simple à utiliser, c'est-à-dire que c'est juste des conditions. On met juste si l'élément qui rentre ici est égal à tel numéro, alors l'élément qui sort ici et l'élément qui sort ici sont égaux à tel numéro. Et les numéros ici, on choisit ici en couleur, le 0, le 1, le 2, le 3, c'est simplement les numéros qu'on a mis dans les données utilisateurs. On a mis dans les données utilisateurs ici, le 0, le 1, le 2 et le 3. Et là, on peut en ajouter autant qu'on veut. Hein.
Donc vous pouvez tout à fait faire, si vous avez un quadrillage beaucoup plus grand, là on a fait en 800-600, ça pourrait être beaucoup plus grand, ça pourrait être seulement sur la longueur, ça peut être seulement sur la hauteur, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. L'important c'est de connaître les coordonnées de chaque carré, en sachant que celui-ci c'est 300 moins 300, donc celui-ci c'est 100 moins 300, celui-ci c'est moins 100 moins 300, et celui-ci c'est moins 300 moins 300, par exemple. Et ainsi de suite, à chaque fois vous décalez de 200 cm pour obtenir en fait le quadrillage que vous voulez, le carré que vous voulez. Donc vous pouvez en fait comme ça faire une grande texture sur laquelle vous mettez tous les bouts de texture que vous voulez, et puis ensuite avec Expresso, avec Expresso et les données utilisateurs, vous voyez, on peut s'amuser à les mettre comme on veut. Comme ça. Remettre les yeux comme ça. Comme ça. C'est parfait. Voilà, donc là j'espère que c'était assez clair. Je mettrai sur le blog le bout de code Expresso que j'ai utilisé ici. Le bout de code du Python. Voilà. Je mettrai ça et je mettrai l'équivalent pour Ko-fi. Pour si vous n'utilisez pas Python, si vous avez une version 11.5 ou précédente, vous puissiez quand même le faire avec le Ko-fi, parce que le nœud Ko-fi est présent sur plus de versions que le nœud Python. Le nœud Python n'est disponible qu'à partir de la version 12 de Cinema 4D. Avant, il fallait installer un truc en plus. Donc, je rajouterai en plus le petit truc. Inkscape, comme j'ai dit, vous avez aussi des tutoriels sur Inkscape sur YouTube. J'en ai fait deux sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et comme je rappelle qu'il y a le forum Graph2Graph sur lequel je suis inscrit sous le nom de CamilleGeek, il y a une section Inkscape si vous avez des questions. C'est pas un problème. Sinon, vous les posez en commentaire, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'avais dit à dire d'autre? C'est tout. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Le prochain tutoriel, je ne sais pas encore sur quoi ce sera. On m'a posé pas mal de questions. On m'a demandé de faire un tutoriel sur comment modéliser une main. J'avais déjà expliqué ça, mais faut que je fasse un tutoriel plus complet dessus. Donc, je ne sais pas si ce sera le prochain tutoriel, mais je vais y penser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.